Bienvenue sur ma chaîne Zé Lakay, mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre nous et pour nous porter toute dernière vidéo nous pour vous. Et donc, sous situation qui a dominé le pays, surtout, et donc, Nenel Kassi, ancien sénateur, et bien après, donc, je dis à la, il y a un ancien président provisoire, juste l'aime privé, qui passe un mauvais moment en bas divers militants opposants, et donc, devant radio et Télékiskéa, côté ancien président Talpoté. Solidarité avec journaliste Lidan Pierre-Paul qui lui-même perdit Maril. Et je dis à la bandit manqué fini avec ancien sénateur Nenel Kassi et qui a fait plusieurs mouns dans la machine ensemble avec elle, d'après explication que divers et compatriotes, donc ancien sénateur Abay, qui a fait qu'on est bandit manqué, et bien fini avec la vie ancien sénateur et un pile opposant qui déjà tiré pied comme quoi, et bien c'est à pouvoir en place là qui lui-même t'a organisé. Zak assassinat ça pour comment yo ta ka mette la paix dans bouche opposition qui déjà a demandé départ chef l'état 7 février 2021 qui a venu là. Donc nous pas l'invite au bien et yon ti coup d'explication avec Yuri Latortu qui te profite voyons message by divers partisans opposition pour demander yo kembe solidarité yo avec et ancien sénateur Nenel Kassi pour continuer bataille là pour déchouquer Jovenel sous pouvoir 7 février. Nous allons inviter au temps de vous, vous avez plus d'explications comment eh bien, ancien sénateur a manqué, perdu la ville et puis il y a un bourgeois qui tombe dans le pays. Donc nous allons inviter au bien détail et attendez sénateur Yuri Latortu dans le micro, donc mettre Morin dans l'émission Brasserie dès que passé sur antenne radio RCH 2000. Enjoy, nous allons croiser demain dans une prochaine vidéo. En attendant, nous allons quitter avec détail sur le dossier et donc les bandits qui manquent assassiner ancien sénateur Nenel Kassi. Qui arrive, sénateur Nenel Kassi. Sénateur Yuri Latortu, comment nous y est? Je salue Maître Snell, je salue Maître Morin, je salue nombreux auditeurs, auditrices RCH, et moi, et surtout, pour me porter toute solidarité et sympathie à sénateur Kassi, sénateur Nenel Kassi, qui encore une fois, on trouve la situation côté que il a persécuté. Il y a été procédé à l'arrestation et je dis à ces villes qui ont besoin de couper. Moi, je pense que Zach Sayo qui vivait est clairement identifié. D'ailleurs, il a dit qu'il y a deux véhicules qui croisaient dans un grand plan officiel et qui tiraient à bout bon temps avec une puissance de feu extraordinaire sur tout le monde qui est dans la machine là. Et c'est grâce à Dieu que, eh bien, le sénateur Nenel Chappé et m'a présenté encore cette partie Makinol, qui est même blessé. Et il y a mon yodi qui est des victimes collatérales qui tombent, qui peut-être pas dans la machine là qui tombent. Voilà encore un acte qui, je dis, eh bien, montré justement capacité de pouvoir pour attaquer l'opposition. Pour faire que, eh bien, ça l'a fait nous-mêmes, que l'a fait opposition par rapport à politique de gouvernement mené, eux-mêmes ont fait la guerre avec nous. Là, c'est la guerre, puisque c'est dans la guerre où je viens, arrestation, où je viens le monde qui a essayé tout le monde. Et moi-même, matin, dans la radio, je m'a expliqué que l'hôtel amiral qui dit qu'on l'a eu à 11h, eh bien, c'est que au chaque temps passé devant et après, hôtel Zahana, eh bien, lui-même, il a tiré sur lui. Il s'est dit, non, il a tiré sur lui. Il a tiré non seulement nous devant, mais en haut à nous, en bas de la privée, pour être supposé qu'il y a monde. Non, dans ce sens, ça voudrait que, au lieu que, il a choisi, eh bien, pour faire une démocratie, gouvernement, il choisit pour faire la guerre. Hier soir, c'est de l'hôtel là à 11h. Jeudi, eh bien, encore une fois, il a attaqué Nenel. Et moi, je pense que dans ce sens-là, je vais déjà dire, la tolérance qu'il gagnait par rapport à le gouvernement, par rapport à Jovenel Moïse, que international à Libali, puisque Aksayo, eh bien, recommencé à chaque fois. Mais au fin de fait, on joint d'autres mondes. Eh bien, qui vient, qui a monté des radios et qui joignent justement ça, des journalistes,
qui eux-mêmes eh bien avoué louange a dit que ça passé à eh bien c'est pas gouvernement c'est pas nous-mêmes c'est comme si son pays côté que pas gagné gouvernance pas gagné monde qui a dirigé tout ça passé dans le pays c'est pas eux c'est l'opposition alors que je dis à l'éclair attaque ça eux qui ciblé eh bien soit propriété et monde qui est dans l'opposition soit sénateur Nenel Kassi eh bien directement qui est dans une composition ouais justement pour dire ceci rappeler tout le monde qui est dans l'opposition force non c'est solidarité non force non c'est courage force non c'est conviction non et je dis à nous dit eh bien pas rien qu'à ébranler conviction non pas rien qu'à ébranler force non dans le dit militaire ou ça et que l'extrêmement important pour le Québec parce que monsieur tout à l'heure il y a des journalistes qui ont gardé les hôpitaux dans le coin, la ligne que vous avez pu courageux. Mais pendant ce temps, vous avez d'autres journalistes, machin, mais vous, qui ont même l'action qu'ils font, eh bien, ils sont là pour essayer de blanchir, ils sont là pour recevoir des mondes chaque jour. Franchement, c'est courageux. Force nous, c'est conviction nous. Et je dis à nous dit, eh bien, pas rien qu'à ébranler conviction, non? Pas rien qu'à ébranler force nous. Dans le dit militaire, ou ça. Et que l'extrêmement important pour le Québec, parce que monsieur tout à l'heure, il y a des journalistes qui ont gardé notre hôpital dans le coin, la ligne que vous avez pu courageux, mais pendant ce temps, vous avez d'autres journalistes, machin, mais vous, qui ont même l'action qu'ils font, eh bien, yo là pour essayer de blanchir, yo là pour recevoir des mondes chaque jour. Bien, il dit que il mandat, quel que soit l'ombre et serment, l'a fini le 17 février de la 5e année, eh bien, de mandat. Et 7 février, ça allait arriver, c'est 7 février de 2021. Et nous, ouais, justement, le président tellement connu, le tellement connu, que ça, c'est que mandat fini, ouais, la fond constitution, il m'a regardé de la constitution, il dit que la constitution a fini, eh bien, mandat a continué jusqu'à 7 février 2022. C'est parce que demain que mandat est fini, 7 février 2021, la disposition transitoire, la délation, il m'a débrouillé qu'il. Ça veut dire que, je dis là, eh bien, lui-même, même à travers écrit ça, c'est ouais que mandat fini, il a essayé, ouais, comment va vous donner une nation, et vous légiférer pour être libre. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que l'opposition, malgré, eh bien, persécution ça, malgré ça qu'a privé nous là, eh bien, nous dit, c'est pas simplement la classe politique, je dis, qui dit c'est 7 février 2021. La communauté juridique à travers la fédération des barons, le secteur religieux à travers l'église catholique, l'église protestante et une grande partie de vaudou, secteur vaudou. Et bien, l'ensemble des secteurs des droits de l'homme à travers Medjidéon qui était écrit en texte et que tout est sien, nous gagnons le secteur syndical. Qui lui-même des propositions et qui était manifesté par une grève qui était gagnée non seulement et bien grève contre l'insécurité et le kidnapping, mais aussi pour réclamer le respect de la date du 7 février 2021. Je dis à nous que c'est peut-être le secteur privé que je voulais être démantibilé, et bien qui part, et bien je dis à exprimer, et m'a dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, jusqu'à dimanche, il gagne. Pour nous exprimer. Et me penser, je veux dire, les pouvoirs de l'État également, ils vont l'exprimer, parce qu'ils vont de l'autre côté, où ils penchent, c'est pas population. Là, on voit que, justement, nous avons fait jour, on voit les guettants, les faits noirs. Et c'est ça qui fait, je veux dire, c'est que je veux dire, ils ont avalé, eh bien, barrer joie, ils ont avalé empêcher jour, mais le soleil a pleuvé. Ni loin, lumière, la pluie, et la fait jour. Et c'est ça qui veut dire, on a dit que
solidarité à sénateur Lionel Cassi, solidarité à sécurité Lyon, solidarité à Ténor et solidarité à tout le monde qui est dans le quartier, qui vient victime par le fait que des malfrats qui ont même choisi pour être éliminé, eh bien, sénateur, je dis, hein, choisi pour être éliminé, eh bien, sécurité qui est famille au capitaine, qui monde qui a marché pour entrer la caillou, eh bien, qui est famille au capitaine. Et puis, au lieu de ça, c'est balle qui est au c'est l'hôpital qui est obligé d'aller, par le fait que je dis, il y a un mandat constitutionnel qui est arrivé à bout, et ils ont voulu enlever même droit ça, pour que mon Dieu, ils n'ont pas dit ça, parce que je dis, le pouvoir, ce n'est pas le peuple qui dit encore, ce n'est pas le peuple qui doit réclamer le pouvoir, et bien sûr, le monde qui doit monter, et puis pour dire que lui-même, il est là, il fait ça, il veut. Encore une fois, pour que toute cette activité de solidarité, à la merde, à la famille, à toute la classe de l'opposition, et à solidarité, courage, parce que stratégie, justement, que la population a utilisé qu'on y a pour arriver à la date du 7 février, c'est pour stratégie que ces leaders oppositionnants peuvent assez grand monde pour connaître que je dis à des biens qu'on gagne, non seulement on active une forme de respecter la constitution, mais pas grand rien qui fait pour lui. Et c'est pour ça qu'il a adhéré à 100% avec les gars. Et là, la police va travailler gaz pendant la guerre là. Si le dévoué gaz sur Delma et vous contre lui, la police va venir raser guerre là. Tout le monde est claqué. Et c'est un bel exemple que Yoba et la police te me comprendre. Si je dis à une possibilité par une quitter manifestation en fait, mais je dis à peuple l'a dit, eh bien, on va un autre exemple. Puisqu'on va jamais quitter manifestation en fait, je dis que moi j'ai été la carrière. Et pas gagner une barricade qui était là. Pas gagné un caoutchouc qui est allumé, pas gagné une machine qui est bloquée, eh bien, tout le monde qui était la caillou était dit, pas sorti, parce qu'ils ont adhéré deux à deux tracteurs qui étaient dans ces guerres-là. Premièrement, lorsqu'on s'est contre l'insécurité et le kidnapping. Deuxièmement, le respect de la date du 7 février 2021. Et me passer sur tout le pays à 100%. Grève-là était complètement réussi, et tellement réussi que le Premier ministre a dit le prend acte. Oui, ça fait mal pour nous. Hein? Non, je vous dis ça fait bilan pour nous. Oui, mais bilan pour nous. Et maintenant, ça, vous pouvez ajouter. Il a ajouté que c'est libre à que c'est en grève contre le kidnapping. Mais non, grève là, le secteur politique, dont moi-même, et le secteur syndical là, M. André Michel et autres, nous débattons en conférence conjointe pour nous dire grève là, c'est contre l'insécurité, également pour respecter la date du 7 février 2021. D'ailleurs, j'étais rentré dans l'agenda de mobilisation de toute l'opposition pendant cette semaine. Donc, dans ce sens-là, solidarité, courage à tous les frères et sœurs de l'opposition. Moi, je pense que nous sommes dans notre tunnel, mais nous allons sortir, puisque nous devons traverser ce tunnel-là pour nous arriver dans la première étape, justement, de transition de rupture. Ça, et la première étape pour de victoire de transition, justement, c'est 7 février 2021. Merci, sénateur.